Le nouveau président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été invité à venir prochainement en France par le président Emmanuel Macron. Cyril Ramaphosa a été élu nouveau président de la République d'Afrique du Sud jeudi 15 février, succédant à Jacob Zuma, qui était impliqué dans des scandales liés à des affaires de trafic d'influence et de corruption. L'Élysée a indiqué dans un communiqué publié mardi 21 février, les deux présidents se sont accordés pour travailler dès à présent au renforcement de la relation bilatérale et à un engagement commun dans la lutte contre le changement climatique. Le président français a appelé hier M. Cyril Ramaphosa pour le féliciter pour son élection. Selon l'AFP, Emmanuel Macron a également assuré Cyril Ramaphosa de sa volonté de faire de l'Afrique du Sud un partenaire majeur pour une approche renouvelée des liens entre l'Afrique et la France. Le nouveau président Cyril Ramaphosa était militant de la première heure de la lutte contre l'apartheid et a promis de s'attaquer à la corruption.